On ne s'ennuie pas avec Matt Griffin. Oh, attention, regardez cette image! Qu'est-ce que c'est que spectaculaire! Et ce pneu avant gauche qui a donc explosé littéralement dans la portion la plus rapide du circuit. Et Matt Griffin évidemment ne peut rien faire, il ne pouvait rien faire. Bien sûr la Ferrari, la Porsche en profite pour le dépasser. Et là beaucoup de dommages bien évidemment. Ah, on s'y attendait absolument pas. Et ça nous a vraiment surpris et même fait peur un petit peu. Allez, Matt Griffin pour essayer de revenir au stand. Mais alors là, il peut y avoir encore plus de dommages sur la voiture hein, parce que ça, tout peut partir au niveau du capot avant. Et, regardez, ouais, alors là, il y aura des débris sur toute la piste. Et voilà qui pourrait peut-être d'ailleurs provoquer une neutralisation parce que les débris comme ça en fibre de carbone sont peut-être vraiment comme du silex et ça peut occasionner d'autres... d'autres problèmes de crevaison pour d'autres voitures. Ah oui, non, puis même s'il retrouve, s'il arrive à revenir dans les stands, Matt Griffin, je ne suis pas sûr que cette voiture pourra repartir. Car à ce niveau-là, il y a beaucoup quand même d'éléments hein, qui sont présents sur une voiture de course. Voilà, il est à l'entrée des stands. Alors, caméra embarquée avec Matt Griffin, comment ça s'est passé? Ah voilà, il y a quand même une petite alerte hein, avant que tout explose. Oui, on le voit bien, hein, qui soudainement tourne un petit peu son volant. Et là, soudainement, il y a l'explosion. Regardez un petit peu tous les dommages.